Sénégal Balama, oh. Sénégal Balama, Sénégal Balama, oh. Tiakanam, Tiakanam, Sénégal. Allez, c'est bon, allez. C'est bon. Excellent. Un 12e dernier, avec le chef d'intervention. Ça, c'est votre package à vous. Ok. Alors là, je déjà. Excellent. On est prêts, hein? Oui. En assistant à cette belle cérémonie historique, bien évidemment, je ne sais pas si c'est nécessaire que je vous le dise, et ce n'est pas du hasard aujourd'hui que nous sommes là, parce que le 12e Guindé a été créé en 1991 dans les locaux mêmes du port. Exactement. Voilà donc un partenariat naturel. Donc c'est le fils qui vient rendre visite à son père. Monsieur le directeur, nous sommes de faire de l'histoire, mais avec un homme héroïque que vous êtes. On n'a pas eu le temps de vous connaître, mais partout où vous êtes passé, vous avez laissé votre empreinte. Des États-Unis à Dakar. Et tout récemment, c'est avec un très grand plaisir, mais une satisfaction réelée que tous les Sénégalais, ils ont appris les efforts colossaux que vous avez faits pour rendre ce port performant, jusqu'à même être très compétitif sur le plan international. Mais évidemment, c'est parce que ce sont des valeurs que vous vous inculquez en nous. Vos qualités humaines, vos sens élevés de patriotisme, votre sens de devoir et de responsabilité, a fait que aujourd'hui que le port est là, là où vous êtes. Cet acte que vous venez de poser, M. le Directeur Général, c'est une réponse à l'appel de la nation. Un DG, mais aussi une entreprise citoyenne. Vous avez une lecture positive de la mission du 12e Guindé. Parce que vous avez compris, comme son Excellence le Président Macky Sall, le premier 12e Guindé, que au-delà de la logistique que l'État a mis à leur place, en quantité et en qualité, mais aussi le talent des joueurs, mais aussi la détermination de la fédération à mettre l'équipe dans d'excellentes conditions de participation et de performance, il faudra qu'il y ait un 12e Guindé motivé pour les galvaniser et les pousser à la victoire finale. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous nous c'est de nous rendre motivés à être plus performants dans le cadre de nos accompagnements. Mais soyez assurés de l'estime de tous les Sénégalais. Mais soyez assurés aussi de l'estime de toute l'équipe nationale. Parce qu'à part de là, vous êtes en train d'appeler à une congé nationale. Vous êtes en train d'appeler à un sursaut national. Mais aussi vous êtes en train de dire aux Sénégalais que quand le Sénégal a besoin de ses fils, les fils doivent être là et vous êtes là. Donc nous vous remercions. Et ensemble, nous allons prier, enfin, pour que ce sacre, entendu, nous revienne ici à Dakar. C'est possible. Il faudra avoir un mental fort. Il faudra avoir de la vergogne. Mais aussi, il faudra s'entourer des valeurs que sont le foule, le faide et le djom. Cher Lyon, nous vous portons dans nos cœurs et nous vous faisons confiance et nous sommes sûrs que quand vous serez là à Dakar, vous serez avec le trophée. Inch'Allah. Et merci au grand. Merci. Merci. Merci de l'opportunité que vous donnez au port de participer à cet effort national. Merci pour tout ce que vous faites pour le sport mondial. On vous a vu à l'œuvre en Russie. Et Inch'Allah, on vous verra à l'œuvre au Caire. Le port, comme vous venez de le rappeler, a contribué à la naissance du 12e Guindé. C'était le lieu de rendre hommage au ministre Serigne Baye Diagne, qui
J'ai vu il y a quelques jours, on a voyagé ensemble et qu'il me l'a rappelé. N'est-ce pas, c'est lui-même. Et donc, nous sommes heureux de pouvoir continuer sur la lancée qu'il a tracée pour accompagner le 12e Gaïdé dans cet effort national ô combien important pour le pays. Le pays actuellement vibre de sport, de football, et le pays a besoin de cette coupe. Le pays a besoin de cette victoire. On ne peut pas imaginer ce qu'une victoire peut déverrouiller comme potentiel dans ce pays. Une victoire signifierait énormément pour le peuple sénégalais. Parce qu'à travers le sport, c'est énormément de valeurs intrinsèques dont le port lui-même a besoin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous en appelons à une union sacrée autour de l'équipe et nous savons ce que le 12e Gaïdé constitue pour les joueurs, constitue pour tout ce qui tourne autour de l'équipe. C'est pour cela, comme je l'avais annoncé lors du lancement de votre plateforme, que nous allons faire quelque chose de substantiel aujourd'hui. Nous allons contribuer pour 20 millions pour le 12e Gaïdé, entièrement à la disposition du 12e Gaïdé. Merci. Et en plus de cela, le port aura une délégation qui viendra pour accompagner. Donc, nous lançons un appel à tout le peuple sénégalais de ne négliger aucun effort et de se mouvoir comme un seul homme autour de l'équipe et que dans la période du 19 au 21 juillet, que tout le peuple soit uni, qu'on soit un seul et que pendant cette période, que ce soit une énergie positive. Parce que quand il y a une énergie positive, on la transmet aux joueurs. On leur permet d'être beaucoup plus forts, on leur permet de se transcender. Et aujourd'hui, je pense que c'est que cela qui nous manque. Le talent est là, l'engagement est là, l'abnégation est là, il y a un bon staff. Ce qui manque, c'est cette union sacrée autour de l'équipe, cette énergie positive. Et nous sommes sûrs que le 12e Gaïdé peut apporter cette énergie positive, ce petit quelque chose qui manque au Sénégal et nous sommes convaincus que cette fois-ci sera la bonne avec le 12e Gaïdé et le Père Dakar. Merci. C'est un appel solennel à tous les Sénégalais de se réunir derrière l'équipe pour une victoire du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique que nous avons tant besoin. Nous voulons une énergie positive autour de l'équipe, une union sacrée. Ceux qui peuvent contribuer positivement, on leur demande d'en parler, de lever la voix et de parler. Ceux qui ont beaucoup de critiques à faire, on leur demande de le faire à partir du 22 juillet. Nous avons besoin de cette coupe, nous avons besoin de cette énergie positive et nous croyons que cette énergie positive peut être portée par le 12e Gaïdé. Donc, en avant avec le 12e Gaïdé. Sénégal, Dieu d'amener.